Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Beau temps, mais frisqué. Je viens d'aller conduire les loulous, il fait 10 degrés dehors. Donc moi perso j'ai froid. Je mets un pull. J'ai réunion tout à l'heure à 9h. Donc du coup je vais me dépêcher, je vais déjeuner, faire les 2-3 petits trucs que je veux faire. Et puis j'ai une commission éducative à 9h, ça dure à peu près 1h. Je devrais être rentrée pour 10h30 on va dire. Vous avez vu Greg, enfin un tout petit bout de Greg ce matin, c'est lui qui est venu me réveiller ce matin, c'est agréable. Il commençait plus tard aujourd'hui, il est en déplacement, du coup bah, il finit plus tard aussi. Donc du coup je suis une bonne partie de la journée toute seule, mais bon on va se trouver des petites occupations, on va trouver de quoi faire. Ça me fait bizarre, enfin c'est parce que j'ai pas l'habitude en fait, hein. Je pense que j'aurai l'habitude, j'aurai un autre rythme, mais là j'ai l'habitude qu'il soit là avec moi tous les après-midi. Donc du coup quand il est pas là, l'après-midi me paraît plus longue. Allez, je vais vite déjeuner. Je vais me faire un porridge, je pense, parce que j'ai froid et j'ai envie d'un truc chaud. Donc, je vais me faire un porridge, un petit café. Je vais aller voir je crois que j'ai un mail à répondre et puis des commentaires aussi, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Je pense que je le ferai plus en rentrant. Allez, petit déjeuner. Je vais faire mon porridge. Je vais devoir vite le manger. Un porridge aux pommes avec de la cannelle. En fait les pommes je les ai fait cuire, comme je vous ai dit j'ai froid, donc j'avais pas envie de quelque chose de froid. Donc du coup ça a pris un peu plus de temps. Je vais vite manger puis après ben je vais retourner sur le collège. Petit déjeuner avalé, un pipi et j'y vais. Je viens de rentrer, il est midi. J'ai eu ma réunion et ensuite j'ai papoté avec... une maman qui était là. Enfin, j'ai vu la proviseure et puis le CPE de Stacy. On a un petit peu parlé de la situation avec Stacy et tout. Ensuite, ben, j'ai vu la maman et j'ai commencé à papoter. Et quand j'ai vu 11h30, je me suis dit bon, allez, dans une demi-heure, tu dois récupérer Stacy. Autant que tu restes là. Donc, j'ai attendu que Stacy sorte. Et du coup, j'ai été récupérer les loulous. On va manger là. Et puis cet après-midi. Mais du coup j'ai rien fait ce matin, mais c'est pas grave, je pense que cet après-midi j'avais envie d'aller jusqu'à l'incroyable. Donc je pense que je vais aller déposer les enfants et je vais faire un tour à l'incroyable, je vais aller voir pour mes assiettes si ils les ont. Et puis après ben, je rentrerai et voilà, ils finissent à 4h30, enfin Angel faut pas que j'aille le récupérer mais Stacy faut que j'aille le récupérer à 4h30. Donc je sais pas, peut-être qu'on ira faire les magasins et puis on va profiter un petit peu, puis on rentrera à 4h30, puis on verra à 4h30 ce qu'on fera, hein. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon déjà là on va manger. Stacy elle va se refaire un poké. Angel je sais pas trop ce qu'il va manger. Moi je vais me faire une salade composée. Ouais, je vais assembler ça. Une belle grosse salade composée. C'est un saladier, mon truc. Aussi grand que ma tête. Donc plein de légumes, du saumon. J'ai mis un peu de bleu aussi dedans. Vinaigrette à la moutarde. Un peu de salade cob. Voilà. Avec un œuf dur aussi. Allez, on va manger. On a fini de manger. J'ai rangé la cuisine. Hop. Je viens de me rappeler que j'avais fait un pain hier et du coup ce matin je l'ai bavé cuire. Mais je viens de regarder et ça va, il a pas trop levé, donc je pense qu'il va pouvoir attendre que j'aille faire mon petit tour à l'incroyable et que je rentre. Je le ferai cuire tout à l'heure en rentrant. Sinon je pense que je vais juste aller à l'incroyable. J'en ai pas pour énormément de temps. Une petite heure, le temps de faire le petit tour, de regarder et puis je vais rentrer. Comme ça, moi, je pourrais faire un petit peu ce que j'ai pas fait ce matin. Je dois faire mes poussières et tout. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça serait fait demain. C'est pas dramatique. Ça fait du bien aussi de temps en temps de rien faire et de profiter. Bon, alors, tout à l'heure, il faisait chaud, il faisait du soleil, mais là, j'ai l'impression que c'est en train de se cacher. Est-ce que j'ai un peu le temps d'aller au moins allumer mon PC pour aller répondre à vos commentaires? On va voir. J'ai un petit quart d'heure. Je vais le faire de mon téléphone, je pense. Ça vaut pas le coup que j'allume le PC.
J'ai été déposer les loulous. Alors avant de partir, j'ai regardé sur l'incroyable pour voir s'il y avait mes assiettes, ils les avaient plus. Il est écrit en rupture, donc à mon avis, ils les auront plus. Donc j'ai hésité à venir quand même. Et après, je me suis dit, Sandra, t'es en train de te trouver une excuse pour pouvoir ne pas faire les magasins et rentrer faire ton ménage. Donc tu vas aller prendre ce temps pour toi, tu l'avais prévu. Donc tu vas aller prendre ce temps pour toi, tu vas aller faire les magasins, tu vas aller faire ton petit tour à l'incroyable. Et du coup, maintenant que je suis là, je suis en train de me dire peut-être que j'irai faire un tour aussi à Stokomani et peut-être que j'irai faire un tour aussi à Babou, enfin BM. C'est le genre de magasin que Greg n'aime pas trop. Enfin, il les fait avec moi avec plaisir, hein, mais je sais qu'il les fait pour me faire plaisir, quoi, en fait. Donc voilà, je vais profiter, je vais prendre mon temps, je vais faire les petits rayons. Stécie, je vais aller la chercher à 4h30, donc si, enfin je vais voir le temps que je mets, mais au pire j'irai la chercher directement à 4h30 si je mets trop de temps. Voilà, mais on va profiter, hein. Allez, du coup on va aller voir déjà à l'incroyable, je vais aller voir au cas où, mais je sais qu'il n'y aura pas, mais je vais aller faire un petit tour au cas où il y en a peut-être des autres qui me plaisent, qui sait. En fait, il les avait en blanc et en noir, et il les a encore en noir, mais pas en blanc, et moi je les veux en blanc. Hein? L'esprit de contradiction, Sandra. Allez, je vais faire mon contour à l'incroyable et je vous dis si j'ai trouvé des choses. Contour à l'incroyable, je vous ai filmé un petit peu les assiettes que j'avais vues et que je voulais, mais en blanc, et ils les ont plus qu'en noir. Et en noir, ça passe vraiment pas, quoi. En fait, je me dis que. Voilà, elles étaient beaucoup, enfin, goût perso, hein. Elles étaient plus belles en blanc, quoi, en fait. Enfin, je trouvais. Donc, tant pis, c'est pas grave. Je vais aller faire un tour. À mon avis, ils vont plus en recevoir. Donc, la prochaine fois, voilà, je désespère pas d'en trouver. En fait, assiette à risotto, ça fait une grande assiette, mais avec une toute petite cuve au milieu. Un tout petit, comme les assiettes creuses, mais tout petit à l'intérieur. Vous voyez le creuset, en fait, il est beaucoup plus petit. Et il y avait le même modèle, mais un peu plus gros pour assiette à pâte. Alors, peut-être que j'aurais plus pris assiette pâte que assiette risotto, ou peut-être les deux. Mais voilà. En fait, je me dis qu'une belle assiette, vous mettez. Enfin, visuellement, quand vous présentez quelque chose visuellement, même si le contenu est tout simple, il suffit que c'est quelque chose qui est bien présenté. Par exemple, des pâtes, un simple risotto comme hier soir, bien présenté, ça en jette, quoi, en fait. Alors que c'est tout simple. Ou des pâtes bolo dans une belle assiette, voilà, ça en jette alors que c'est un plat tout simple, quoi, en fait. Donc voilà, c'est pas grave, j'aime bien la belle vaisselle, quoi, en fait. Et en ce moment, c'est ma lubie, j'ai envie de changer ma vaisselle, donc du coup, voilà. Allez, je vais faire mon petit tour à Stokomani maintenant. Alors, j'étais à Stokomani. En fait, comme il était juste à côté, qu'il me fallait tout ce qui était shampoing, gel, enfin pas gel douche, parce que ça, j'en avais quand même, il fallait du shampoing, du déo. Du coup, ben, je me suis dit, bah, autant y aller. Et j'ai pris des trucs qui étaient sur ma liste de courses. Alors, il me fallait de l'acide citrique. Et je suis tombée sur la marque que je prends d'habitude. Donc, j'en ai pris le shampoing de Greg, du déo, du dentifrice. Hop, c'était pareil sur ma liste de courses. Je suis tombée sur du riz complet. Donc, j'en ai pris aussi. Je me suis acheté... c'est des trucs à infuser à froid. J'en avais acheté l'année dernière, j'avais bien aimé. Là, c'était un lot de 3 comme ça. Donc, c'est pomme pêche passion. Saveur citron hibicus et saveur myrtille pomme cassis. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Stokomani. Il n'y avait trop rien qui... voilà. Et ensuite, j'étais faire un tour à BM. Ça a drôlement changé, hein, BM, au niveau de la déco et tout. Il y a... vraiment des trucs chouettes maintenant, je trouve, par rapport à avant avec Babou. C'est vraiment plus... Alors, est-ce que c'est mes goûts qu'ils ont changé? Mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est plus qualitatif. Ça fait moins babiole qu'avant, quoi, en fait. Et au niveau des choix, c'est moins... comment dire, enfin c'est plus moderne, voilà, je trouve. Bon, j'ai trop rien vu, mais enfin j'avais rien besoin, quoi, en fait. J'allais juste pour faire un tour. Il y aurait eu un truc qui m'aurait claque, j'aurais pris, mais là voilà, il n'y a rien qui a ma, mais franchement il y a des beaux trucs. J'ai juste craqué par, vous allez reconnaître le bruit, attention, ouais, les siennes, elles faisaient plus le pouille pouille.
Elle faisait plus le bruit. Donc du coup, j'en ai racheté une. Il s'éclatait tellement avec. Hein. Alors, il me saoule hein, avec. Mais voilà. Mais même mes gosses, quand ils étaient petits, ils faisaient du truc avec du bruit et tout. Arrive un moment, ça, c'est énervant, c'est saoulant et tout. Mais je rachetais quand même à chaque fois. Et Greg, il me disait, mais tu m'énerves avec tes trucs qui font du bruit. Et je lui disais tout le temps, mais c'est moi qui supporte toute la journée. Donc voilà. Hein. Quand Greg, il va voir que j'en ai racheté une, il va me tuer. Bon, là il me reste 1 heure avant d'aller chercher Stacy, donc ça vaut pas le coup que je rentre. Je vais aller sûrement faire un tour. Alors, magasin de bricolage, non merci. Électroménager, non merci. En magasin de fringues, ici il n'y a pratiquement plus rien, quoi en fait. Je crois que je vais aller à Action. Ouais, j'ai rien besoin non plus, donc si ça tombe, je sortirai avec rien du tout. Mais bon, ça m'occupera, ça me fera faire une petite heure. Je suis en train de réfléchir à quel magasin je pourrais faire, mais bon, je vois que ça. Bon, allez, on va aller jusqu'à Action. Le pire, c'est que j'ai été ce week-end, quoi, en fait, donc j'ai vraiment rien besoin. Mais là, ça vaut vraiment pas le coup que je rentre, quoi, en fait. Bon, on va aller faire son petit tour à Action, hein? Pas le choix. Non, si j'ai le choix, hein, je pourrais aller jusqu'au collège et attendre dans la voiture, mais bon. Bon, ouais, on va aller faire son petit tour. J'avais vu qu'ils avaient ressorti le truc par le. Ah, c'est de l'huile. De l'autobronzant qu'ils avaient sorti l'année dernière. À chaque fois que je voulais l'acheter, je ne tombais pas dessus. En fait, c'était pas très cher. Et là, j'avais vu qu'il avait ressorti, donc peut-être que je vais le trouver. Je vais voir. Alors, je suis pas adepte hein, de l'autobronzant, mais je me dis sur mes jambes, ils sont un petit peu blanches, le fait que je les mets pas souvent à l'air. Allez, ouais, je suis dans le collège à Stacy. J'ai été du coup faire mon petit tour à Action. Hop. J'ai arrêté la voiture. J'ai trouvé mon huile. Alors, c'est du Selten, comme ça. L'huile bronzante. Avec de l'argan, de l'huile d'olive et de l'extrait de carotte. Par contre, la bouteille fuit un peu, donc je la tiens debout parce que. Alors, on verra. J'en ai pris qu'un. Il y en avait plusieurs en rayon. Je sais que je risque de plus en retrouver après. J'allais en prendre plusieurs. Mais je me suis dit, si ça me convient pas, si je suis orange ou quoi, ça sert à rien que j'en achète 40. Et qu'après, je suis déçue. Ensuite, je me suis retrouvé mon déo. Parce que celui que j'ai pris à Stokomani, c'était du déo. C'est pas le vrai. C'est le Dove à chaque fois que je prends. Mais c'est pas le vrai parfum. Vous voyez, c'est pas le. L'original. Et moi, je préfère l'original. Donc, du coup, j'en ai racheté un original. Et je me suis acheté une boisson parce que j'avais soif. Mais alors. Dégoûtante. Stacy va la finir. En fait, j'ai regardé dans le rayon et je me suis dit, oh tiens, on va goûter. Il était écrit sans sucre et tout. Donc, je me suis dit, bon, ça doit pas être un style coca ou quoi. Là, mais c'était écrit à la pêche. Pêche-cœur. Mais ouais, c'est pas du tout mon truc. En fait, j'ai hésité entre ça et des bouteilles d'eau. Mais j'arrivais pas à traduire si c'était de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Mais j'aurais dû prendre ça en fait. J'aurais dû prendre l'eau. Que ce soit eau plate ou eau pétillante, en plus, il n'y avait pas vraiment l'importance. J'avais juste soif. Mais ouais, ça, je sais pas, c'est un goût. En plus, là, je vois pas la couleur, mais c'est un goût chimique en fait. Ouais, c'est vrai que ça a le goût des bonbons. Vous voyez les bonbons à la pêche là. Alors pourtant je les aime bien hein, ces bonbons. Vous voyez les bonbons ronds là. En anneau. Je les aime bien ces bonbons. Hein, mais là en boisson c'est écœurant en fait. Vous buvez 2-3 gorgées. Après vous avez l'impression d'avoir mangé 1 kilo de bonbons. Bon allez. Bah, on va récupérer sa miss. Et puis on va rentrer à la maison. Et t'as récupéré les monstres. J'ai la bouteille qui fuit. Je vais me laver les mains tout de suite. Parce que je vais avoir les mains tout oranges. Hop. Bon, pas besoin que je vous montre ce que j'ai acheté, hein, puisque je vous l'ai montré dans la voiture. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Hein? Il pleure. Il veut.
Il y a quoi? C'est quoi? Hein? C'est ça? Je vais lui enlever l'étiquette et je vais lui donner. Vous allez entendre Queen Queen. Il a trouvé. Pouille pouille. Il fait des bruits. Bon, Greg devrait plus tarder à l'arrivée parce qu'il vient de m'appeler. Il est sur la route. Je vais m'occuper de mon pain. Ça va, il a pas trop levé, donc ça devrait aller. Je vais allumer le four, le mettre en forme. Je vais faire un pain. Je pense que je vais faire un gros pain nature. Je pense. Ou deux petits pains. Ou un pain un peu allongé. Je pense que c'est ce que Greg est rentré. Tu viens de dire un gros mot. Hein? Marley lui a fait montrer son nouveau jouet. Hein, tu m'aimes, chérie. Ouais. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure. Ben, allez. Je me suis occupée de mon pain, donc je vais attendre qu'il gonfle un petit peu. J'ai allumé le four. Je suis en train de faire cuire aussi le brocoli pour ce soir. Ça va être un brocoli avec une petite sauce vierge. Je m'occupais aussi de la sauce vierge. Alors, sauce vierge, c'est tomates, des herbes, des échalotes ou des oignons nouveaux. Ou des oignons, quoi, en fait. En fait, c'est comme une petite vinaigrette, mais avec des tomates dedans. Un peu comme une persillade avec des dés de tomates dedans. Moi, je mets du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Ouh, j'ai mal à la tête. Puis j'ai un peu chaud là. En fait, j'ai mis cette robe là, mais. T'as vu, nous avons de belles températures là qui commencent à arriver. Un beau week-end. Il me regarde, et même pas besoin de me le dire. Ça veut dire. Ça sent le spa. Hein? Ouais. Ouais. La sauce vierge. Oui, je sais, chérie. Sauce vierge est faite. Voilà quoi ça ressemble. Donc en fait, je vous mettez les herbes que vous voulez. Là, moi, j'ai mis ton chien, là. Persil, basilic. J'ai mis du cerfeuil, des oignons nouveaux et puis de la ciboulette. Voilà. Après, oignons. Moi, je rajoute des oignons parce que Greg aime bien quand il y a beaucoup d'oignons. J'ai mis la moitié d'un oignon en plus. Et puis, deux tomates coupées en petits dés, jus de citron, huile d'olive, sel, poivre. Voilà. Hop. Et on va s'occuper des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, on va juste les couper en deux ou en quatre en fonction de leur grosseur. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, mélanger. Et je vais utiliser le sel à l'ail des ours que j'ai acheté... c'était quoi le samedi? Normal. Enfin bref, je vais utiliser cette là. J'ai chaud, regardez. Je suis. Et je vais utiliser. Voilà, je vais utiliser ça pour les assaisonner. T'es casse-pieds, Marley. Et je vais les faire cuire au four. Alors, le temps, ça dépend de la grosseur de vos pommes de terre. Il faut compter à peu près 40 minutes. Ça va faire un peu comme des pommes de terre. Elles vont un petit peu souffler en fait. Dans le four avec la chaleur. Il est casse-pied. Hein. Il est casse-pied. J'ai des bonnes idées. Hein. Mais il était tellement content quand je lui ai ramené. Hein. J'ai de plus en plus mal à la tête alors que j'ai pris un cachet. Je pense que c'est peut-être la chaleur. J'ai peut-être chaud et du coup. Ça m'est tenu. Je crois que je vais encore une fois être très vite au lit ce soir. Bah Greg a coupé les pommes de terre, on a mis l'assaisonnement avec un petit peu d'huile d'olive, on va les enfourner en même temps que j'enfournais le pain aussi. Alors j'espère qu'il va bien lever, c'est la première fois qu'il reste comme ça aussi longtemps au frigo, mais bon. Et le repas du coup est fini, il n'y aura plus que le jambon à faire griller, je ne sais pas si on le fait griller au barbecue ou si on le fait griller à la poêle. Barbecue. Ce que je vais aller faire, je vais aller bosser un petit peu moi, en attendant que là le repas est fini. J'espère que le cachet va faire effet parce que là, autrement, je vais pas faire long feu. J'ai mon mal de tête qui veut pas passer. Alors, le pain est cuit. On l'a mis dehors pour qu'il refroidisse un petit peu parce que là, il est un peu chaud.
Les pommes de terre sont pratiquement cuites aussi. Greg va juste faire griller vite fait le jambon sur le barbecue. Et puis on va pouvoir manger. Je vais sortir le beurre aussi. Bah, petit repas tout simple, mais qui va être très bon. Alors demain, logiquement, je faisais des boulettes avec de l'agneau, mais j'ai pas été à la boucherie chercher mon agneau encore une fois. Quand c'est pas ça, pas le pouille-pouille, c'est les... C'est une bouteille. Donc du coup, j'ai interchangé parce que demain après-midi, on va avoir une journée... voilà, une bonne après-midi bien chargée. Donc du coup, en fait, il faut qu'on aille faire 2-3 achats. Donc du coup, j'aurai pas le temps demain. C'est surtout la préparation à la boucherie, ça prend pas longtemps, hein, mais j'aurai pas le temps de les préparer. Donc du coup, je vais faire mon poulet. J'ai changé avec le repas de jeudi. J'ai sorti mon poulet. Ça, je vais faire le poulet chasseur et je le ferai jeudi. Logiquement, jeudi, on bouge pas. Greg ira au potager et moi, je resterai à la maison. Vendredi soir, on a Loulou à dormir à la maison. On a y a Kim qui a un truc prévu et voilà, aller avec Loulou ça aurait été qu'est-ce qu'il y a Marley, mais il va la chercher. Aurait été avec Loulou, enfin c'était embêtant d'aller avec Loulou, c'était le soir et tout, comme elle dit, voilà, arrive un moment il est fatigué et tout, donc elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas. Nous c'est un plaisir, ça fait longtemps puisqu'on l'a pas eu à dormir à la maison, donc je lui ai dit j'espère que ça va aller, qu'il va, voilà, il va dormir et tout, parce que bah, il était petit quand la dernière fois, bah, la dernière fois qu'il est venu dormir, il y a quand même 5 mois, puisque c'était quand Kim elle a accouché, ça s'est super bien passé, hein, mais voilà, depuis il est pas revenu dormir, il est revenu pour à la maison, voilà, passer des journées ou quoi, mais il est jamais revenu dormir. Donc là, comme je dis, il a grandi, donc il s'en rend compte aussi maintenant. Hein, au début, il s'en rendait pas forcément compte que maman partait, quoi, en fait. Donc on verra. Mais bon, comme elle a dit, si voilà, si tu vois que t'as trop du mal ou quoi, bah tu m'appelles et puis je rentre, je reviens le chercher, quoi, en fait. Mais bon, ça devrait aller. Je vous ai pas montré le pain. Voilà, il a quand même bien gonflé, il est beau. Bon, il a moins gonflé que d'habitude, mais voilà, il est quand même... Hein? T'en dis quoi? Je peux prendre un bout. Tu veux prendre un bout? Vas-y, prends un bout. Ça va, Jean-Bon? Greg a froid. Fatigué? Moi, je pense que, franchement, je vais vraiment pas tarder, quoi, en fait. Hein. On va manger, je vais finir de monter le vlog, je vais aller prendre ma douche, je vais aller faire dodo. Je pense qu'encore une fois, il y aura plus de Sandra à 21h30. Et demain, je me dis, mais vivement la ménopause, c'est pas possible, toutes les semaines, une semaine par mois, je suis comme ça, complètement vidée, comme si que on me pompait tout mon jus, quoi, en fait. Et du coup, je le ressens, et j'aime pas être comme ça, parce que c'est pas moi, quoi, en fait. J'ai besoin d'être active, quoi, en fait. Et là, je suis fatiguée. Puis on devient vieux, hein, chérie. Ouais, on devient vieux. Ouais. Non, ça sent bon. Ça donne envie de barbecue. Faire un barbecue ce week-end. Ah, quel Brutus. Je vous montre les pommes de terre. Ce que ça donne, vous voyez, ça fait comme souffler. Elles ont une petite croûte croustillante sur le dessus. Là, elles chantaient quand je les ai sorties. Greg s'est moqué. Il a dit qu'elles chantaient la Marseillaise en breton. Hein? T'as pas dit la Marseillaise en breton? En fait, elle sifflait. Allez, on va manger. Du coup, je vais vous faire des bisous. Puis bah, je vais vous dire à demain. J'espère en meilleure forme. Hein? Toi aussi? Elle va être chouette la soirée. Allez, bisous, à demain. Pretending love.